j'ai fait connaissance avec l'œuvre. J'ai rencontré ce soir-là un prêtre. Je me suis confessée. Et quand je repartais, j'étais comme si j'avais déchargé un poids énorme que j'avais sur mes épaules. J'étais beaucoup plus légère. C'est comme si une grande partie de mes soucis était partie. L'épouse m'a beaucoup aidée parce que j'ai rencontré dans l'œuvre, comme je vous dis, au Cameroun. C'était en l'an 2000. Et je dois dire que c'était une période très perturbée de ma vie. Et je me cherchais comme encore, je me demandais si j'avais fait le bon choix de venir vivre ici et d'amener tous les enfants ici. Mais à partir du moment où j'ai commencé à véritablement fréquenter l'œuvre, à suivre toutes les formations, les recollections, j'ai vu une grande différence, un grand changement dans ma vie. Parce que j'ai compris ce que c'était que vivre au quotidien, sa spiritualité et comment devenir sainte au quotidien. Je suis très loin d'être sainte encore, je pense d'ailleurs que je ne le serai jamais. Mais à m'efforcer chaque jour à plaire au Seigneur, à accepter la volonté du Seigneur et à le transmettre, à transmettre cette vision-là, cette philosophie-là à mes enfants, je crois que ça a transformé ma vie. Parce que ça m'a apporté comme une paix intérieure et une joie permanente.